Salut tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour un setup en N400 de la Porsche 911. On va faire un petit tour sur la piste et je vous fais voir le setup par la suite. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc je vous présente la Porsche 911 2016 en N400. Alors au niveau du contrôle de traction, donc 0, voilà, elle tient bien la route, hein, donc pas de problème à 0, c'est super. Donc au niveau du frein, à l'avant, moins 3 pour éviter les survirages dans les entrées de virage. Voilà, alors je vais le mettre comme ça. Au niveau de la hauteur de caisse, 140 à l'avant et 160 à l'arrière. Évitez de mettre la hauteur de caisse trop basse, sinon vous aurez des problèmes d'instabilité dans les entrées de virage. Donc 140 pour l'avant, c'est très bien. En ce qui concerne l'arrière, donc pareil, évitez de mettre trop haut, sinon vous aurez des problèmes de survirage cette fois-ci. Donc la caisse qui part de l'arrière. Voilà. Au niveau de la fréquence naturelle, donc une fréquence naturelle à l'avant dure pour gommer les effets d'instabilité au niveau du train avant. Voilà, donc 2,40 c'est parfait et 2,50 à l'arrière. Voilà, vous verrez. Hein. Donc évitez de mettre une fréquence naturelle trop basse. Vous aurez l'impression qu'elle tourne mieux, ce qui est vrai, mais vous aurez donc cet effet d'instabilité qui reviendra donc aussitôt. Donc 2,40 comme je l'ai dit, là c'est bien quoi. Elle tourne quand même cependant bien et on gomme cet effet-là au niveau de l'instabilité du train avant. En ce qui concerne la barre anti-roulis, donc je l'ai mis à 8, suffisant pour qu'elle tourne et pas trop dur non plus pour éviter donc l'instabilité. Voilà, en mettant une barre anti-roulis plutôt souple, on gomme cet effet d'instabilité. Donc au niveau de l'arrière, donc la barre anti-roulis 5 pour éviter les survirages dans les entrées de virage qu'elle parte de l'arrière. Donc au niveau de la compression, une compression pas trop dure non plus, 57, 58 à l'arrière. 86 en extension et 88 pour l'arrière. Au niveau du carrossage, étant donné que je vous ai dit elle avait un petit problème d'instabilité au niveau du train avant, donc évitez de mettre du carrossage car moi je trouve qu'en mettant du carrossage, la stabilité revient un petit peu. Donc voilà. Voilà. Et un 5 pour l'arrière pour éviter le survirage. Un peu de grip. Voilà. Au niveau de l'alignement. Donc moins 0,10 au niveau de l'avant pour avoir un peu de grip et plus 0,10 derrière pour les entrées en virage. Éviter qu'elles survirent. Excusez-moi, il y a mon chien qui veut monter sur le canapé. Allez, viens là, pépère. Donc couple 25 au niveau de l'arrière. Au niveau de l'accélération, 8. Donc une accélération
plutôt faible pour éviter de patiner, étant donné que moi j'accélère avec la touche X. Pour ceux qui accélèrent avec la gâchette, hein, vous verrez ça par vous-même, vous pouvez peut-être un peu remonter. Voilà. Donc pour moi, je me sers des gâchettes pour les passages de vitesse. Voilà. Alors la sensibilité des freins, 25. Voilà. Donc pas trop incisif, hein, sinon pareil, vous aurez des problèmes de survirage. Donc 25, c'est parfait. En ce qui concerne la boîte, donc la boîte, donc vous la remettez par défaut au niveau de la vitesse max. Une fois que ceci est fait, vous mettez votre vitesse finale à 4007. Une fois que votre vitesse finale est mise à 4007, au niveau de la vitesse max, vous la mettez à 200, donc au mini. Après, votre première, vous la mettez comme ceci. La deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, sixième et septième. Et votre vitesse finale à 3545. Voilà, ce qui vous donne 272 pour la longueur de la piste, donc ce qui est largement suffisant. Voilà, donc une voiture que j'ai bien appréciée, j'ai trouvé plutôt sympa à conduire. Voilà, donc prochain setup, ça sera certainement encore une Porsche, je pense. Voilà, après laquelle, je sais pas encore, j'ai pas trop réfléchi, je verrai ça. Et n'oubliez pas donc de liker et puis de vous abonner pour soutenir ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.